Salut à tous, c'est Rempool et je suis en compagnie de Freddy. Salut. Et donc, c'était pas prévu, on s'est dit tiens, si on faisait un petit épisode, parce qu'on a en creusant notre mine optimisée hors caméra là, on s'est dit on va creuser ça hors caméra pour pas vous prendre la tête avec un creusage en ligne droite. On a découvert ce monsieur là, Negurk. Qui est en fait un gobelin, je crois, non? On dirait un gobelin. Et Ouais. donc il y a un PNJ qui vend des trucs, et qui vend, ma foi, des trucs pas mal du tout. J'ai pris le pognon avec moi, là. En fait, je suis remonté à aller chercher les sous. Et il vend des spiky balls, par exemple, le meilleur objet du jeu. Non, je déconne. Il vend les rocket boots, il vend une règle qui permet de créer une grille en fait sur le terrain qui permet de placer les blocs en fait plus précisément. Donc c'est pour ça que c'est une règle. Le Tinkerer's Workshop, c'est comme une table de craft en fait qui permet de combiner certains accessoires. Donc ça vaut beaucoup, enfin ça vaut énormément le coup pour combiner par exemple je crois qu'on peut combiner les Hermes Boots et les Rocket Boots pour en Oui, faire on peut. des enfin pour combiner les effets et avoir un emplacement de plus grâce au fait qu'on ait combiné les éléments. Donc ils vendent un grappin aussi, bon, ça on en a tous un depuis un moment, on les a tous craftés. Et la tool belt qui augmente la portée pour poser des blocs. Donc ça c'est typiquement c'est pour la construction. Alors bah du coup j'ai pris le pognon, qu'est-ce qu'on s'achète? Déjà on s'achète le workshop, c'est obligé. Ouais, Et on et s'achète les rocket boots chacun. ouais, c'est obligé aussi. Hop là. Bon bah on les aura pas lootés. Eh, tu sais quoi? Mes Rocket Boots, elles ont plus 4 de défense. Elles ont plus 2% de damage. Alors attends, je vais poser le Tinker machin là. Juste histoire qu'on se fasse les crafts. Ah ouais, trop bien. Tu peux les. Alors attends. Houhou! Je peux faire des Spectre Boots. Par contre, je vais perdre mon bonus de plus 4 de défense de mes Rocket Boots. Ah ouais, moi aussi, mais bon, tant pis, ça me fait Ah, un sauf emplacement que de j'ai libre. eu plus 2% critical strike chance. Ok. Et Donc je viens de maintenant. découvrir qu'avec ce projet, Oh. désolé de te couper la parole, on peut faire des trucs pour les pièges, avec 6 pierres. Regarde, on peut faire comment ça s'appelle là, des grosses boules de pierre qui peuvent se casser la gueule sur les méchants ou les gentils d'ailleurs. Ça peut être fun. On va peut-être Alors en par acheter d'un contre, je coup. sais que qu'avoir le cloud in a bottle et les pompes en même temps, c'est un peu chiant. Ouais, je vais enlever mon cloud in bottom d'ailleurs. Pareil. Ça va m'enlever un Et de défense. d'ailleurs, ça se voit qu'on a les spectre boost parce que maintenant, c'est pas du rouge qu'on sort, c'est du Ouais, blanc. c'est pas du feu. Ah mince, j'aurais dû montrer avant. En fait, normalement, d'habitude, les bottes, les rocket boots, elles font du feu. Et Mais Du coup, ça fait une espèce de traînée rouge. Oh, bah y a des poissons morts en bas. il y a même un coffre. Ah bah on a trouvé de la lave que. Bah Ouais, c'était un peu y a pour une ça en fait espèce à de la base mine, qu'on avait donc là. l'idée. Ouais, donc on a trouvé de la lave, on va pouvoir miner de l'obsidienne et comme ça vous verrez au moins on a de l'obsidienne légalement. De toute façon, on a tout légalement, hein. C'est pas parce qu'on coupe certaines parties que. Oh, trop C'est quoi bien! comme statue? Gargoyle statue! Oh! Trop bien! Ah non mais c'est juste excellent ce soir. On n'était même pas parti pour tourner en plus, hein. C'est Ouais. ça qui est bien. Alors, D'ailleurs, vous pouvez remarquer que j'ai des lunettes de soleil, enfin des lunettes de ski aussi. ouais, il essaye de copier mon style là. On a un style steampunk, mais parfait quoi, avec genre l'armure en démonite, les lunettes et la coupe de cheveux. Alors, dans le coffre, il y a des potions, des flèches enflammées, des silver bars et un cloud in a bottle. On va tout prendre, hein. Je peux te poser une question avant qu'il y ait un monstre qui le tue. Quoi? Pourquoi est-ce qu'il y a un lapin ici? Ça me laisse Je perplexe. viens de le voir tomber et il y a un lapin ici. C'est. Bah, peut-être qu'il est tombé dans la mine. Ah oui, c'est vrai qu'on a le sabre laser. Du Minons de tonnerre. l'obsidienne un petit peu. On aura notre stock à vide d'obsidienne là avec cet emplacement.
On a laissé le workshop là-haut, je crois. Donc les autres objets. Ramassé le workshop. Tu l'as ramassé? Ah cool. Oui, je disais, ouais, les autres objets qu'il vend, je les ai pas achetés tout de suite, mais on les achètera à un moment. C'est juste que là, pour l'instant, on économise notre pognon pour des futurs. Oula, en fait, non, on va pas avoir assez hein, de. Enfin, on va pas avoir assez. C'est surtout que je pensais qu'on aurait assez pour virer la lave. Parce que la lave va être sur le chemin de notre mine optimisée. Ah, bah parfait. C'est exactement ce à quoi je pensais. Et oui, on trouve toujours dessus. Et voilà. Aussi, d'ailleurs, pour vous, viewers, comme maintenant on a des rocket boots, c'est fini pour vous les longs moments où on galère à sortir de trous. Car maintenant on a des rocket boots et on vole, ouais! Ouais, moi j'adore voler. Et donc c'est fini mes fails en tombant au fond de trous. Enfin, ça je m'avancerai pas trop, mais. Normalement. Je dis en bien théorie. Normalement. Ouais, je fail beaucoup moins à partir du moment où j'ai les rocket boots. Il me semble. Ah ouais. Donc oui, on avait besoin de... On a dit au fait pourquoi on a besoin d'obsidienne. Oui, on l'a dit dans l'épisode précédent. Bon, un petit rappel hein, pour ceux qu'on n'ont pas suivi. On a besoin d'obsidienne pour se crafter un obsidian skull. Donc un obsidian skull, c'est un... Tu t'es noyé. Oui. D'accord. Et tu disais quoi? J'ai fini les fails. Du coup, t'as récupéré le pognon. Qu'est-ce que je voulais dire? Un obsidian skull, c'est un accessoire qui permet de... je vais y arriver. De marcher sur la météorite et puis aussi en enfer aussi. Ça va être très important en enfer. Alors, pour la peine, comme tu es mort comme ça, je vais laisser ta tombe à la place. Sur un petit lit d'obsidienne, comme ça on verra que tu t'es noyé et que moi aussi ouais. je vais me noyer. Et oui, c'est ça de parler pendant qu'on réfléchit pas. Bon, bah, du coup, il y aura deux tombes au fond de l'eau. T'as même quand on fait une vidéo tranquille à miner au fond d'une mine, on trouve le moyen de crever quoi. Par contre, fais gaffe si jamais tu retombes. Hein. Est-ce qu'il y a plus d'eau? Oui, je préfère te prévenir parce que je sais pas si t'es encore arrivé au fond. Donc... Si, y a encore de l'eau. Ah, il y a encore de l'eau. Pile poil assez d'eau pour pas mourir. D'ailleurs, je l'ai appris un peu à mes dépens parce qu'en fait, si j'avais pas fait. Enfin, s'il n'y avait pas eu assez d'eau, je serais mort, vu comme je suis tombé. Ah, mais c'est un PNJ, j'essayais de tuer le PNJ. N'importe quoi. Non. Où est-ce que t'as mis ton pognon? Ah, le sabre laser, ça commence à défourailler quoi. Ah, ouais, non, mais là. 3060 points de vie. Oh, tu sais pourquoi? Parce que au moment où je passe. Alors je suis dans un couloir de 2 de large. Et au moment où je passe devant le petit trou de 3 de haut, il y a un squelette qui passe. Ceci est un fail. Quelle est la probabilité pour que cela arrive? Depuis qu'on a les spectre boots, ça y est. Bon bah voilà, on a enlevé la lave, tout ça quoi. Tout ça en fait, quoi. D'ailleurs, je redescends, mais tu veux peut-être qu'on remonte pour faire une maison pour... Oui, tout à fait. C'est un épisode tranquille. On a fait plein d'épisodes d'action juste avant. Aujourd'hui, c'est un épisode tranquille. On va construire de la maison, du village et tout ça. Ah oui, surtout qu'on avait commencé quelque chose sur la banque. Remontons au miroir. Ça y est. Donc vous voyez, on a commencé à faire un petit promontoire. Je crois que j'en ai parlé dans une vidéo. Je voyais bien un truc, une arche qui ferait le dessus des maisons là et pour pouvoir construire d'autres maisons par dessus. Et bah voilà, on a commencé. Notre ville commence à ressembler à un truc de fou, je trouve. C'est marrant. Est-ce que tu as ta gargoyle statue? Oui. Mais là à la place de celle-là, ça fera mieux. Il y a des statues partout dans le village. Mais oh. Qu'est-ce que ça classe? Ça me rappelle le dessin animé Gargoyles, pour ceux qui s'en souviennent, enfin pour les plus vieux d'entre nous. Tu te rappelles toi? Ça me dit vaguement quelque chose, mais... C'est un dessin animé avec des gargouilles en fait qui vivent dans un espèce de manoir et qui... et puis bah, oui, qui sont des justiciers ou je sais pas quoi d'ailleurs. Bref. Alors, les clouds in a bottle, je vais les mettre dans un coffre parce qu'on va quand même les garder même si je les utilise pas pour le moment. Surtout que j'en ai looté un autre.
J'ai posé l'atelier du monsieur bizarre du bas. Tu l'as posé où? À côté du tonneau de bière. Et à côté du... Ah, dans la maison du marchand? Ouais, non, en dessous de la maison du marchand. On ne devrait pas les appeler de le marchand, tout ça, maintenant il s'appelle Milton le marchand. Il s'appelle Milton? Ah ouais. En dessous de la maison de Milton alors? Ouais, mais voilà. C'est la maison de Milton ça, de toute façon. Ah non, c'est pas la maison de Milton juste en dessous de chez lui, c'est la maison de... Shaz Dryad. Non mais c'est parce qu'en fait ils sont coloc. Ouais. Et bientôt on va avoir Neger que The Goblin Tinkerer qui va arriver. C'est un goblin alors du coup? Ouais. Et qu'est-ce que je veux dire? J'étais pas sûr. J'espère qu'il mourra pour qu'il change de nom parce qu'il a un nom un peu bizarre. Désolé. Oh, ça ouais. Va. C'est pas la mort. J'ai les grey bricks sur moi si tu veux savoir. Ouais, moi je suis en train d'un peu ranger mon inventaire encore une fois. Alors, les cadeaux, mais on va remplir des coffres de machins de Noël quoi. Est-ce que tu sais si d'ailleurs ces machins de Noël vont disparaître après Noël? Je ne sais pas. Ce serait un peu con. Enfin bon. C'est vrai. Alors notre ville est quand même sacrément particulière, hein. Je trouve que, enfin du moins jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais vu personne construire une ville comme ça. Sauf dans les RPG. Tiens, je te craft une Obsidian Skull. Oh oui, génial. La Obsidian Skull, on peut pas la mélanger avec quelque chose déjà? Si, tu peux la mélanger avec un autre truc qui est pas super important, je crois, enfin qui est pas super intéressant, mais quand même. Alors, si t'as le wiki sous la main, moi je construis pendant ce temps, vas-y file-moi tes briques. Je te laisse regarder le wiki. D'accord. Tiens. Faut que tu me files tes briques quand même. Là où j'ai pas mis de briques, c'est pour faire un poteau. Enfin, ici, là où, juste sous mes pieds, là. Tu veux faire un poteau là? Tu penses que ça va passer? Ouais, ça passe largement. Enfin, que ça... Mmh. Oui, ça, je m'en doute que ça passe, mais tu penses que ça va faire bien? Ouais, ouais, ça fera plus naturel. Alors, Obsidian Skull. J'avais une idée pour le faire finir en plus ce truc. Là je commence à faire descendre là ou après. On va voir. Ah bah si. Faut comment dire. On peut faire l'obsidian horseshoe avec ou alors l'obsidian shield, mais on n'a pas encore les objets pour le faire. Ah, donc ouais. En fait. Donc si c'est très très important. J'ai une idée, bref. Non, moi j'ai une idée, laisse-moi faire. Ouais, ouais, je te laisse faire. C'est... Donc, oui, ah bah, c'est toi qui as les briques pour du coup. J'ai besoin de bois. Non. Je n'ai plus de plateforme en bois. Je n'ai plus de bois tout court d'ailleurs. Si tu veux, attends, j'ai des plateformes en bois. Ah, ça serait cool. Pourquoi tu je ne peux filé? Pas ah, voilà. Voilà, je te Ok, nickel. Ah oh, putain, c'est quand même bien pratique d'avoir le... Alors mince, je me suis foiré d'un, je crois. Encore un. Hop. Alors moi, je trouve que le village, il a quand même un sacré petit charme avec toutes ces statues qui se baladent un peu n'importe où, où on les a posées. C'est assez fun. Ouais. Franchement, j'adore. Hein. Ouais, il va falloir qu'on fasse notre musée un jour. On peut commencer à faire notre musée d'ailleurs. Ouais, on va voir, on va se faire. Ce qui est bizarre, c'est qu'après le clocher, ce sera pas l'élément le plus haut qu'on aura en fait. Ça sera un clocher qui regarde dans une rue. Alors attends, parce que ça, c'est en trop. Et ça, je vais les virer. D'ailleurs, je vais peut-être enlever les l'herbe ici parce que du coup, ça fait. Un peu bizarre. Il va commencer à faire nuit. Encore une fois, j'ai pas regardé à quelle heure j'ai filmé. Si, je crois qu'il était... C'était il y a 20 minutes, il me semble. Ça a failli dire l'heure. Ouais, surtout que cette fois, on tourne plus tard que d'habitude. Oh ouais. Non, en vacances. Ça s'est fait un peu à l'arrache en fait, c'est parce qu'on s'est dit tiens si on faisait la mine optimisée hors caméra, ça leur évitera de se prendre des épisodes d'une demi-heure
à nous voir creuser un trou. Et au final, alors où sont mes briques? Je suis en train d'essayer d'améliorer un peu ce coin. Oh tiens, il y a du copper ici, je vais le laisser, ça fera son charme. Tiens, d'ailleurs ça, je vais le virer, ça sera plus régulier. D'ailleurs, si on a de la dirt, il y a un trou de clé à reboucher sous le village. Parce que j'ai miné de la clé, j'ai pas vu que je remonte aussi haut dans le village. C'est pas grave. Ouais, mais bon, c'est... Du coup, j'ai enlevé toutes les torches, je crois pas que ça se voit trop. Mais faudra l'enlever, quoi. Je trouve ça classe, l'entrée de notre village, de ce côté-là. On dirait un vaisseau spatial. Faudrait presque mettre un fond en pierre, d'ailleurs. Pour là. Faire genre une... Ouais, pour faire genre un poteau. Ah, c'est pas con. C'est pas con. Je vois ce que tu veux dire. D'ailleurs, je vais en chercher. Tu vas en avoir besoin aussi, t'en as? Ou tu veux que je t'en ramène? Ouais, je veux bien que t'en ramènes pour moi. Ah, mais en même temps, il y en a plus. S'il y en a un peu... faut que je recraft, je pense. Le Ball of Earth, on va le mettre là. Et le craftable, elle est là. Moi je le voyais pas comme ça à la fin du village, je le voyais plus comme un simple poteau à la limite, tu vois. Un simple poteau. Ah mais là, petit c'est pas poteau. Mal là. Après ouais. Avec ça, tu fais ça. Attends. Merde. Zut. Je trouve ça fun comme ça, moi. Je suis en train de calculer que on s'est tellement farmé de boss ces derniers temps que ce qui manquerait presque maintenant, c'est un boss. Par contre, ça fait bizarre un peu là. Ouais. Peut-être comme ça. Non. Ouais, voilà, j'essaie de faire continuer un peu l'escalier, mais c'est pas facile à mettre quand c'est de la. C'est du fond. Oups, pardon. Téléphone. Et oui, comme on vous l'a dit, c'était à l'arrache. Hein. Ouais, la preuve, j'ai même oublié de couper mon téléphone. Les épisodes à l'arrache. Non, j'aime pas le fond comme ça. Alors, non, j'ai une meilleure idée en fait. Désolé. Hein. Parce que moi, sinon, mon idée en fait à la base, quand je faisais ce promontoire là, ça serait que là, en fait, ça continue en ligne droite. Je te montre avec le sujet de la pierre. Ça continue en ligne droite, comme ça, là, à peu près jusque là, et là, t'avais un petit poteau. Et on passait comme ça, et puis là, on pouvait monter. Comme ça, ça gardait le. Ça gardait le. Le style, ouais. Ouais, donc c'est à toi de voir. D'ailleurs, je me suis enfermé comme un glandu. Je suis en train de te. Ouais, sauf que là, le poteau, je pense que tu l'as fait trop près. Ouais, je le décale. Faut le faire. Faut pas le faire avec les pentes aussi larges que ce que j'ai fait, enfin que ce qu'on a fait tout à l'heure là, là-bas. Mais... Genre là, tu vois, tu poses là après le poteau. Attends, je me débrouille. C'est bon, retourne faire ton poteau. Ah, tu voulais du fond toi au fait. Ouais, je veux bien du fond. Merci. Je viens de t'enfiler. Merci. C'est quand même bien pratique de construire avec. Ah, mais t'as fini les toits au fait. Oui, j'ai fini les toits, oui, désolé. J'avais pas fait gaffe. Nickel, oui, c'est... nickel. Que oui, bah justement, c'est pour ça que j'étais allé miner de la clé honteusement cachée sous le village. Et seulement ça se voit un peu. Donc je descendrai un peu plus bas la prochaine fois pour choper de la clé, je pense. Ouais. Mais je vais boucher avec de la terre, comme ça fera plus joli. Et oui, hein, parce que tu vois, c'est pas parce qu'on est des hommes qu'on peut pas s'intéresser à un peu de déco dans notre village. On fait ce qu'on veut. Et là, il va y avoir. Là, sur cette vidéo là, il y aura une jante féminine qui va arriver. Ils vont dire quoi? Mais les non. Mecs, ils font de la déco. Il y a 2% de femmes, je crois. J'ai regardé les statistiques. Il y a 2% de femmes qui regardent nos vidéos. Après, sur Gear Network, il y en a peut-être plus. Hein. Eh bien, bonjour spécial à vous, hein, mademoiselle. Oui, d'ailleurs, je dis encore salut à tous. Hein. Putain, je suis un gros macho en fait. Et je pense que parmi les 2%, j'en connais une. Ah là là. Je suppose que je la connais aussi alors. Ouais, tu la connais. Bon, on va arrêter les insinuations. Ouais.
C'est ma copine qui regarde. D'ailleurs, dédicace à toi, chérie, si tu me regardes. Oh. Alors, attends, j'avais jamais coupé un arbre par le haut. Parce que c'est Oui, tellement plus mais... pratique de les couper par le bas. Faut que je vois. T'as coupé un arbre par le haut? Non, non, ça y est, je l'ai viré. Mais en fait, c'est parce que tu sais, je suis arrivé en haut là, sur la plateforme du haut, et je suis arrivé à une hauteur d'un arbre. Donc, du coup, je l'ai coupé pour pouvoir faire passer la plateforme. Je verrai ça sur la vidéo. Ouais. Tu verras ça sur la vidéo. Car oui, hein, je regarde quand même des vidéos, hein, malgré le fait que je tourne hein, dedans, comme je ne suis pas toujours collé aux fesses de Renfield, bah, je les regarde, c'est marrant. Bon, moi aussi je les regarde, même si je suis collé à mes fesses, mais... Donc ta attends. chaise doit les regarder aussi. Quoi? Donc ta chaise aussi doit les regarder. Ah, je sais pas ce qu'elle fait quand je suis pas là, ma chaise, hein, mais... je pense, ouais, peut-être. Je lui demanderai. Comment on fait des murs? Je me rappelle plus. Des brick walls. Non, Attends. des briques tout court. Des briques stone. Tu prends de la pierre et tu vas au four. Ah oui, Alors c'est au attends, four, c'est ça. je me permets de changer un petit truc sur ton poteau. Parce que comme il est moins haut que les autres, ça fera moins charger. Ah non, moi je voulais faire dans le même style. Qu'est-ce que Ah tu oui, non, changes mes trucs à mon poteau, quoi? ça sera dans le même style, c'est juste que j'ai réduit la pente ici. Parce que comme il est plus petit en hauteur, ça fera moins charger en. Enfin, Ouais, d'accord, si tu veux. Alors, c'est moi qui ai les petites. Non, j'ai du wood. Tu sais Qu'est-ce que que. j'ai fait de mes plateformes? J'en avais un paquet pourtant. Tu m'en as passé un paquet. Ah, elles sont là. J'ai rien dit. Hop. Ok. Parce que pour du coup, cette statue-là, elle va plus du tout là. Quoi? Qu'est-ce que tu fais avec mes statues là? Non, mais la statue d'Eyeball qui regardait vers le haut dans au plafond, je trouvais que ça faisait un peu bizarre. Ouais. Ah mince, j'ai T'as plus de du briques. gré du fond en gris en brique? Ouais, attends, je te passe. Bah non, à part moi. Ah, non, j'en ai plus. Si, j'en ai. Ouh. Heureusement qu'on n'a pas dealer, hein, parce que. Ça ressemble un peu à rien le bord. Je sais pas trop comment le faire. Attends, attends. C'est comme de l'autre côté de la banque, si tu veux. Voilà, là, tu pars comme ça. Sais plus ce que t'avais fait. Attends, Tu veux des tu pars comme briques? ça. Ouais, j'ai des briques, c'est bon. Tu pars comme ça, en fait, et puis là, tu fais ça. Et est-ce que je fais ça comme ça? Non, comme ça. Tutu. Ouais, comme ça fait un mur. Et 3 de haut, allez hop. Là, sur cette surface, on peut construire facilement deux maisons au moins. Ah oui, et puis une petite statue sur le dessus, comme ça c'est pas mal. Ça faisait deux de haut, je crois, de l'autre côté. Elle fait 2 de haut de l'autre côté. Ouais, Bah, attends, je te dis ça. je vais pas mettre ce dessus-là parce que ça fait quand même penser à Ouais, une deux de certaine haut. forme. 2 de haut. J'ai vite fait que 2 de haut. Oh. J'ai pas pensé aux enfants. Je fais une petite maison. Ok, pour notre petit gobelin. Et en plus, il en faut une pour notre démolitionniste. Ah oui, parce qu'il est toujours pas venu, lui. Salaud. Ouais. Tiens, attends, je te file tout ce qui est construction et puis moi je vais aller miner de la clé comme ça. Ah, ok. Comme ça, Je fais la partie t'auras en dur. de quoi faire le Et... toit. Ouais. Bon, normalement il reste encore des briques rouges, hein, mais. Ouais, alors du coup, moi j'ai rien du tout sur moi pour faire ta maison en fait. Il y en a plein dans le coffre, il me semble. Je vais mettre une table, une chaise, des murs en bois, un dresseur, tiens, on les a pas mis. On n'a pas une baignoire aussi dans un des coffres? Si aussi, je crois. Tiens, bon, on va lui mettre chez lui, tiens. Elle est où la baignoire? Elle est là. Il faut qu'on fasse des lampadaires aussi pour le village. Ça pourrait être pas mal, plutôt que Ouais, les torches un vrai, peu partout là. ouais, soit des tiki torches, soit des lampadaires. Tiens, je te file un truc aussi, t'es où? Je Ah, suis sous le parti village. miner. Bon bah je te filerai après. Ouais, je suis parti faire le truc Alors attends, que les chiens. je vais en profiter pour faire un truc, un petit peu d'action là pour les viewers. Enfin un peu d'action. C'est pas non plus. Voilà. Je te dis pas quoi, tu verras sur la vidéo. Je me suis pris. Ah.
Coupure de Freddy, je vous coupe et je vous reprends après. Re tout le monde, alors j'ai pas réussi à récupérer Freddy, donc hors connexion, moi j'ai placé les murs là sur la maison. Apparemment son ordinateur ne veut plus là ce soir. Donc je sais pas trop quoi faire si ce n'est vous dire au revoir. Parce que là ça fait quand même 25 minutes qu'on filme, j'ai regardé tant qu'à faire au passage. Je vais vous dire au revoir, je vais poser les briques, je vais poser les briques, je vais poser le toit quand même, histoire que le PNJ puisse arriver. Et puis après, je vous dis au revoir. Alors, des chaises, des chaises, une porte, il me faut une porte. Sauf que je n'ai plus de bois. Je n'ai plus de bois. On va aller couper un peu de bois, les amis. Allez, on refait ça. Yo! Hop là! Ça fera Marie Freddy sur la vidéo quand il reviendra. Allez hop, on coupe du bois un petit peu. Je vais en replanter derrière parce qu'on a plus beaucoup d'arbres par là. Les tournesols pour pas que la corruption revienne. Où sont les glands? On va planter les glands. Hop. Un petit là, un petit là, un petit là, un petit là, un petit là. Alors j'ai appris grâce à un youtubeur qui s'appelle Zigot, qui fait des vidéos sur Terraria aussi, que les arbres ne pouvaient pas pousser quand il n'y avait pas trois, quand il n'y avait pas trois blocs d'espace. Donc voilà, c'est pour ça que je les espace un peu, sinon ça sert à rien. Du coup j'ai pris du bois ou pas? Oui. Bah oui, j'ai coupé des arbres juste avant. Oh là là, je perds la tête. Une petite porte. Deux petites portes d'ailleurs. J'espère que j'en ai pas pris tout à l'heure dans le coffre, sinon vous allez vous foutre de ma gueule parce que je suis allé en crafter. Ouh, d'ailleurs je me prends la tête à passer par là. Alors qu'on peut faire ça maintenant. Hop. Une petite porte. Et après faut l'ouvrir peut-être, c'est mieux. Hop. Et le toit. Le toit, le toit, le toit. Hop. Alors, on va finir ça. Je pense que je vais pas avoir assez de briques, mais c'est pas grave. Juste assez pour finir pour lui fermer sa maison à lui. On va lui poser des torches sur les murs. Hop. Une là. Et une là. Ah, Freddy has joined. Il a réussi. Alors, attendez, je vous coupe. Comme ça, on le reprend. À tout de suite. Re à tous, j'ai récupéré Freddy, son PC a bien voulu lui laisser quelques minutes de répit là. Apparemment son PC déconne, hein, si tu me confirmes. Oui, je confirme. Du coup, la maison je l'ai finie, alors j'ai pas assez de briques pour finir le toit, mais au moins j'ai fermé pour que le PNJ puisse venir, et le PNJ c'est Nerguk, Ah, je vais y arriver, Negurk the Goblin Tinkerer. Donc voilà, on a... D'ailleurs, t'as l'espèce de truc, l'espèce de table de craft qu'il a. Je pense qu'on va le mettre chez lui, non? On va la mettre chez lui. Non, je l'ai mise en dessous de Milton tout à Ah l'heure. oui, c'est vrai, tu m'as dit. Oh là là, ça va plus, moi. Bon, je pense qu'on va se dire au revoir. Hein, de toute façon, l'épisode est assez long comme ça. Enfin, assez long comme ça. On n'est pas assez près, hein, mais bon. Du coup. Oh, le petit oiseau sur le toit, ça va trop bien. Et la gargouille sur le côté. Qu'est-ce qu'on fait? On vous dit au revoir, Ouais. abonnez-vous, mettez des pouces, partagez la vidéo, Ouais, tout à suivez fait. notre émission sur Gear Network, Tuez les lapins. Et sinon, qu'est-ce que je veux dire? Pour les problèmes de PC, ça sera vite réglé, hein, vous inquiétez pas. Ouais, j'espère qu'on va pouvoir continuer de filmer quand même. Ouais, t'inquiète pas toi non plus. Je suis en train de migrer de PC en fait. Ok, donc portez-vous bien et puis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut À à plus. toutes et à tous! Salut.